Phénomène gang, c'est un phénomène qui vraiment écrasé le pays. Il y a un pile de monde qui dit que c'est ancien président Jean-Bertrand Aristide qui vient ensemble avec le phénomène gang à travers Timoun, famille, c'est la vie. Comme ça, tout, il y a un monde qui dit comme ça que c'est ancien président Michel Joseph Martelly par rapport avec le groupement illégal. Eh bien, qui t'a pral vini ensemble avec phénomène ça dans le pays. Gagné moun tout qui parlait, yo dit que c'est ancien président Jovenel Moïse qui vini ensemble avec phénomène ça qui sorti pour capable théoriser population. N'a parlé de phénomène gang. On a regardé qui côté phénomène ça prend naissance sous qui président et depuis qui l'est, qui Jean yo te kon opéré. Forme dit nous que, eh bien, un phénomène ça. Eh bien, l'État prend naissance, c'était en 1950, sous époque François Duvalier. François Duvalier, par rapport avec une tentative de coup d'État qui était faite contre lui, eh bien, il était décidé pour que l'État soit capable de monter un groupe avec Nègre pour capable aider gérer, eh bien, pouvoir. Faut dire nous que, eh bien, Monsieur Axam Sayo, qui t'apprend là, il t'apprend là pour être capable d'aider. Eh bien, François Duvalier a géré le pouvoir. L'été, on dit, difficile. À chaque fois que Monsieur Sayo, yo-même, yo-là, pour être capable de parler à un président mal. Parce que, automatiquement, ou parler président mal par rapport avec Monsieur Sayo, gagner capon, cap bat ou bien bat, comme ça tout, yo ka même rivé tuyo par rapport ensemble avec ça que, ou a dit que, eh bien, vis-à-vis de, eh bien, président François Duvalier. Et comme dit nous, groupe ça, li pat ni deux, ni trois, et c'est Monsieur Makoutio. Makoutio, je l'ai regardé sous écran, et bien c'est ensemble de moun sa yo qui te gagné zam, qu'on sa tout gagné tout, qui te gagné bâton dans main yo. Yo pas de bon uniforme bien spécifique, ou te capable de boire yo en bleu, qu'on sa tout gagné qui te en civil. Yo te en civil, nan l'idée pour que yo capable bien informé par rapport avec moun kap parle. Président François Duvalier, mal. Groupe Mounsao qui est Makoutlan, eh bien, yo pas mangé en rien, frère. Histoire fait nous connaître que, eh bien, Géyoun nan Makoutio qui te vin célèbre en pile, et Makoutsa li pas l'autre que Tibobo. D'ailleurs, c'était Youn nan Makout préféré François Duvalier. Tibobo, Youn nan bagay que li kon fait, le plus souvent, li kon chita ensemble avant pour la parler président mal. Automatiquement, ou entrer dans l'idée parler président mal et sortant d'ailleurs, si Bobo li prend, soit là le bateau ou bien là l'exécuteur, parce que monsieur Sayo, yo pas d'accord pour que yo moun te capable de parler gouvernement en place dans mal. Et comme dit-nous que monsieur Makout Sayo, yo pas pa deux mal, yo pas fait dans pays, et pas deux massacres. Et par deux violences, eh bien, monsieur même, il n'a pas fait dans le pays, dans l'idée pour que il était capable d'aider président François Duvalier gérer le pouvoir. Automatiquement, François Duvalier, lui quitter le pouvoir, lui passer place ensemble avec Jean-Claude Duvalier, automatiquement, il finit de mourir. Jean-Claude Duvalier, il t'a pas utilisé, même monsieur Sarotou, c'était toujours en même politique. Jean-Claude Duvalier était Kembe, dans l'idée pour que lui était capable de gérer le pouvoir. Comme dit nous que monsieur Makoutio, eh bien, une bagaille que yo te kon fait, à chaque fois que président li pral yon côté, yo toujours là en avant pour yo superviser, pour yo observer qui obstacle peut-être qui capable gagner, qui capable représenter yon menace pour en présence, eh bien, président n'a parlé de Jean-Claude Duvalier. Une bagaille, eh bien, qui te gagné. Automatiquement, règne Jean-Claude Duvalier, il t'a tombé en 1986. Eh bien, à l'époque, il t'a pas crasé groupe Monsieur Sao qui t'a gagné Zamnaméo sans que yo pas fait pièce désarmement. Et c'est une raison qui fait que Monsieur Sao t'a pas profité pour que yo t'a pas, eh bien, prend les armes contre groupe Moon qui t'a crasé, eh bien, mouvement ça. En 1991, t'as pas gagné élection sous président Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide
À l'époque, c'était Youn Nan Moon qui était très populaire dans le pays. D'ailleurs, c'est un prêtre que Monsieur ça lui-même l'était. Malheureusement, Aristide Tabral prend coup d'État et automatiquement, Aristide prend coup d'État en 1994. Tourner, Jean-Bertrand Aristide, pas de fait ni deux, ni trois bagailles. Et Jean-Bertrand Aristide, il t'a pral craser l'armée. Selon lui-même, eh bien, quitter la cause, il était bal coup d'État. Dans le moment que Aristide, comme président, il t'a pral craser l'armée, une bagaille Aristide lui-même n'y t'a fait, c'est que automatiquement, il craser l'armée. Jean-Bertrand Aristide pas de jambes gain dans tête li pour que li était capable eh bien faire yon désarmement. Zam vin a circuler dans pays an, tout groupe moun sa yo te gen zam yo nan men yo, genye ki sere zam nan, yo oblige eh bien prend la fuite, genye tout sa yo te gen tan tuye yo et sa ki te gen zam nan men yo sere zam yo nan l'idée pour que yo capable bataille eh bien pour que yo te capable venger par rapport avec action ça que Jean-Bertrand Aristide lui-même li te fait pour te capable craser l'armée et automatiquement monsieur eux-même yo te fait une telle action c'était en 1991 et Aristide Jean-Bertrand Aristide li t'a pral vini ensemble avec yon groupe qui est Famille, c'est la vie. Le fait que l'irémé Timoun, eh bien, il était décidé pour que l'était capable de prendre un groupe Timoun qui n'a la rien à travers un orphelinat que l'irémé qui est la famille, c'est la vie. Eh bien, automatiquement, Jean-Bertrand Aristide, il t'a pas prendre un groupe Timoun, ça y est, il mettait au nom espace, il va au manger, la former, il voyait à l'école et il y a un pile monde qui rapportait que. Jean-Bertrand Aristide en 1993, eh bien, il a décidé pour que il soit capable d'armer jeune monsieur Sao. Comme dit nous dans Cité Soleil, tu as gagné un monde tant que la bannière, tu as gagné un monde tant que la colibri, eh bien, monsieur Sao, je ne veux dire qui parle encore, il fait partie de groupe La Famille, c'est la vie. D'ailleurs, information fait qu'on est que. C'est Jean-Bertrand Aristide qui t'a armé si monsieur Sao dans l'idée pour que lui capable sauvegarder pouvoir. Jean-Bertrand Aristide en 1993 automatiquement lui fin monter orphelinat qui portait nom la famille c'est la vie et bien il était destiné Jean Todian pour que lui était capable et bien et armé si monsieur Sao. Comme dit nous que gagner frappe. Rappelant, c'est un groupe politique qui était là pour être capable de porter support ensemble avec Jean-Bertrand Aristide à l'époque. Et bien, Monsieur Frappio, c'était pour l'avancement de progrès haïtien. C'est un groupe de milices qui était chargé d'un examen. Nous sommes capables de regarder sous écran là. Eh bien, Monsieur Sayo, qui t'a pral porter eh bien, support yo, ensemble avec régime Raoul Cédras. Nous connaissons Raoul Cédras, c'est Youn Nan Moun et qui t'a pral organisé coup d'État en 1991, coup d'État qui t'a fait que Aristide l'était quitté le pouvoir. Sous écran là, nous capable garder que nous ouais Raoul Cédras ensemble non machine, l'ichita et puis gagner deux eh bien et frappe qui boit hôtel et objectif monsieur Sao t'es là non but pour que tu es capable eh bien sécuriser Raoul Cédras à l'époque n'a pas rappelé qui lui-même t'a porté soutien ensemble avec Jean-Bertrand Aristide faut dire nous n'en frappant t'es gagné plusieurs macoutes gain macoute yo t'es obligé prend yo dans quoi frappant comme ça tout gain macoute yo t'es obligé tuer surtout macoute qui t'es plus violent yo t'es obligé exécuter yo gain en pile l'autre tout qui t'es obligé laguer pied yo et tout monde ça yo t'es laguer pied yo avec zam ça coûter laguer pied yo avec zam yo laguer pied yo avec zam ça coûter laguer pied yo sans zam yo laguer pied yo sans zam mais pour autant yo t'es serré zam yo son j'aime dire nous que sous François Duvalier, automatiquement, tu es fini craser ma coute là, pas de gagner un désarmement qui t'est fait dans le pays. Et Zam Sayo, yo te en circulation, Zam Sayo, yo te nommé, eh bien,
pile Makoutio et par rapport avec l'autre décision Jean-Bertrand Aristide lui-même il était choisi faire, eh bien il te prend automatiquement Jean-Bertrand Aristide, il était décidé pour que il était capable craser l'armée parce que selon lui-même c'est l'armée qui te bal coup d'état en 1991. Laisse ça, Jean-Bertrand Aristide t'es obligé venir ensemble avec eh bien on l'autre corps qui c'est la police nationale d'Haïti et automatiquement Jean-Bertrand Aristide t'est décidé pour être capable de craser l'armée pour le mettre sous pied un corps de police. Et là encore Jean-Bertrand Aristide font l'autre gros erreur côté que l'IPAT fait désarmement toutes armes ça c'est toujours en circulation. Pomme dit nous que en 1996, gagné René Garcia Préval qui t'a pral élu président à l'époque, Jean-Bertrand Aristide n'est pas capable d'aller dans l'élection. Et automatiquement, René Garcia Préval vient élu président et il vient lancer une opération zéro tolérance. Depuis ce négatif, et bien qui sorti pour bay problème ensemble avec paysan, et bien René Garcia Préval il était venu ensemble avec opération zéro tolérance et à travers opération ça comme dit nous que tu gagné plusieurs jeunes garçons, plusieurs jeunes femmes et bien qui t'a pral victime dans question zéro tolérance et comme dit nous tout gagne en pile monde qui t'a utilisé zéro tolérance là pour que tu capable venger par rapport avec une action quelconque yon monde t'a fait yo. Zéro tolérance si c'est vrai t'es bon dans pays yon côté mais gon l'autre côté tout li pas bon parce que grand pile moun te kon utiliser mot zéro tolérance pour que yo te capable tuer en pile moun kon ça tout chaque matin gon l'enlever dans pays ou te kon toujours joine yon 2-3 jeunes qui tombaient eh bien c'est dans question zéro tolérance en nan commencement année 2000 yo fòm di nou que Aristide li t'a pral formé yon l'autre groupe. Laisse ça, c'est ti monsieur Chimeyo. Automatiquement, ti monsieur Chimeyo même, depuis Aristide yon côté, ou toujours est ti monsieur Sayo, yo bel et bien, présent, bon côté Jean-Bertrand Aristide. Information ta fait quoi que, gen yon même qui te souffleté yon agent de police. Ou capable de voir sous écran là, ou regarde yon paquet de bon ti monsieur a gros am nan men yo et bien c'était monsieur ça c'était groupe ça yo te rele chimère et bien c'était nan commencement année 2000 ans c'était un groupe qui était très nan avantage ancien président Jean-Bertrand Aristide et Jean-Bertrand Aristide te kon utilisé groupe ça comme yon instrument opposition politique. Là, c'est que li vraiment important parce que Jean-Bertrand Aristide li te vle eh bien sauvegarder pouvoir li. Jean-Bertrand Aristide te le gagner contrôle pouvoir li, c'est une raison qui fait que dans commencement année 2000 yo, li t'a pas venir ensemble avec groupe ça qui rele chimère d'ailleurs et si n'a songé 1er janvier 2001 pendant que Jean-Bertrand Aristide li t'a fait discours, li te dit moun yo comme ça que nous songez après les nous chimè on regarde pour nous chimè combien lettres qui gagne la donne et les ça tout groupe ça t'est content tout monde qui t'est présent yo t'est content les on t'a regardé combien lettres et bien chimè gagne la donne c'est pour montrer nous qui importance que Jean-Bertrand Aristide li t'est bail ensemble avec si monsieur ça tire les chimè et nous capable garder tout ça c'est un pick-up côté que chargé un paquet de bonnes jeunes garçons qui ont gros âme dans mes yo et yo là un seul objectif pour que yo capable aider président gérer mandat sous époque chimère il était difficile pour parler Jean-Bertrand Aristide mal automatiquement ou parler Jean-Bertrand Aristide mal monsieur Sayo soit yo tiro ou bien bat ou bien bat ou bien capable lever un grand matin tout le monde yo va attendre nouvelle ou yo va connaître sous monter sous descendre yo fait ça pour yo faire ensemble avant là et majorité monsieur Sao le plus souvent c'était dans quartier populaire yo que eh ben yo même yo tapral en 2001 comme dit nous que gagné un gouvernement qui lui même tapral prend nouvelle mesure pour le capable désarmer eh bien milice et réprimander anciens soldats parce que à l'époque t'es gagné en pile zam dans pays et laisse ça
yo t'a pral vini ensemble avec commission pour capable gérer question désarmement dans pays. Et c'est époque ça gouvernement t'a décidé pour la première fois pour que yo t'a capable gérer question eh bien désarmement dans pays. Mais malheureusement désarmement ça pas arrivé dans bout yo parce que gen en pile moun qui t'a gen zam nan men yo, gen pile ti jeune qui t'a gen zam nan men yo à l'époque yo t'a préféré eh bien stérer zam nan ou pour que la police pawel, force de l'ordre pawel. Si nous regardons sur l'écran là, nous regardons une image. Et bien, monsieur ça, c'est un soldat qui était très fidèle ensemble avec Jean-Bertrand Aristide. Et monsieur ça, il parle l'autre monde que Dred Wilmé. Dred Wilmé, c'est un soldat qui était vraiment eh bien, dans ses collés ensemble avec Jean-Bertrand Aristide. D'ailleurs, ou pas de cas parler. Jean-Bertrand Aristide mal devant Dred Wilmé et Dred Wilmé c'était un chef de gang qui était gagné dans Cité Soleil. En février 2004, et bien femme dit que gagné la mécanibale qui lui-même est dans gros naïf, monsieur ça a été décidé pour qu'il était capable prendre les armes pour qu'il était capable contrecarrer Jean-Bertrand Aristide à l'époque, et bien monsieur ça a été décidé pour que il était bailler un coup d'état ensemble avec Jean-Bertrand Aristide et Jean-Bertrand Aristide est obligé quitter pouvoir 29 février 2004 n'a regardé ces groupes ça groupe monsieur Sayo qui yo même te fait partie de l'armée cannibale qui t'a pas le groupe mais c'était un groupe de monsieur le plus souvent qui était ancien militaire yo était eh bien en République dominicaine yo était joint support les États-Unis d'Amérique. Et tu as gagné plusieurs anciens policiers tout dans mitan yo, tu as gagné plusieurs anciens makout dans mitan yo tout. Eh bien monsieur tu as décidé pour que tu es capable de rentrer en Haïti sous l'ordre Guy Philippe. À l'époque monsieur tu es rentré dans pays yo, yo tu es tombé rentré dans sous commissariat yo ti policier yo gon seul bagaille pour faire déposer les armes. De vous parler déposer les armes, ou à mourir parce que ces armes qui n'ont même ces armes qui n'ont mon et c'est pas deux policiers monsieur ça même y ont été tués nan moment. Comme dit nous après départ Jean-Bertrand Aristide eh bien chimère yo même yo t'a pas continuer eh bien montrer loi au nan paysan yo t'a fait en pile action malhonnête monsieur Sayo et monsieur Chimère yo t'a fait en pile action malhonnête yo t'a opéré surtout nan Port-au-Prince c'est à l'époque yo t'a venu ensemble avec phénomène kidnapping yon bon matin ou t'a dit yo prend tel moun yo prend tel moun et yo t'a pas négocier pour que yo t'es capable libérer eh bien moun sa que yo prend en otage c'est monsieur Chimerio qui au même t'est venu ensemble avec mouvement ça qui c'est kidnapping n'a pas rappelé c'est février 2004 après départ Jean-Bertrand Aristide et yo t'ai fait en pile l'autre action terroriste yo t'ai conduit en pile moun tout n'a parlé de si monsieur eh bien Chimerio n'a pas rappelé que c'est Jean-Bertrand Aristide qui lui-même t'est créé propre groupe gang ça dans l'idée pour que il était capable eh bien sécuriser pouvoir pour être capable toujours gagner pouvoir dans elle mars 2004 gagné paramilitaire qui t'a pas reprendre contrôle eh bien ancien quartier général si monsieur militaire yo t'a pas reprendre contrôle ancien quartier général et youn nan bagay que monsieur ça t'a pas demandé yo t'a pas demandé pour que eh bien yo capable réintégrer yo dans l'armée d'ailleurs yo te dit que c'est militaire que yo en tant que militaire eh bien yo toujours qui doit ça yo toujours gagne privilège ça pour que yo capable réintégrer dans l'armée et yo t'a goumé ensemble avec zam nan men yo pour que eh bien réintégration ça lui même li te fait comme dit nous en 2005 gagne la police qui t'a pas déployé dans plusieurs quartiers dans zone métropolitaine nan nan l'idée pour que yo capable contrecarrer si monsieur qui gen zam nan men yo et gagne plusieurs nan yo qui t'est tombé et pour ça tout et si n'a songé époque ça c'était même époque ça et mais t'as pas gagné la bannière dans Cité Soleil t'as pas gagné Dred Wilmé t'es gagné Colibri tout monsieur ça yo t'es fait partie de groupe gang Cité Soleil là
Et pendant qu'on a parlé de groupe gang Cité Soleil, il faut me dire que premier bandit, premier groupe gang qui était gagné Cité Soleil, c'était Rodrigue et puis Coventon. C'était deux monsieur Sao qui étaient gagnés comme bandit Cité Soleil. En après, les deux monsieur Sao t'as pas tombé, c'est les Sao t'as pas joué plusieurs lots petits soldats, plusieurs lots petits mouns dans la zone là, et mais qui t'a grandi en papa monsieur Sao, yo chaque t'es décidé pour que tu es capable de prendre contrôle yon dans zone. Quelques zones qui gagnaient, eh bien, en dedans et cité et soleil. Comme dit nous en 2005, j'aime t'en dire tout à l'heure, gagnait la police nationale d'Haïti qui te mettait ensemble avec, eh bien, MINUSTAH. MINUSTAH était obligé de faire surface dans le pays. Et pendant que vous avez fait surface dans l'idée pour être capable d'aider, eh bien, pour la police désarmée, M. Axamio, eh bien, malgré présence MINUSTAH dans le pays, eh bien, si monsieur Sao te azam, yo ta fait aïe dans le pays, et yo te fait des faits, malgré ça, pas gagner yon désarmement qui te fait sérieux dans le pays. Rive dans l'année 2010, et c'est dans la période ça, tu as pas gagné le tremblement de terre, et c'est le tremblement de terre ça qui t'a pas une occasion qui t'a pas gagné plus groupe gang dans le pays. Parce que automatiquement, il y a tremblement de terre là, gagne en situation côté que moun t'a obligé quitter plusieurs quartiers et bien populaires et dans zone dans moment ça gagne plusieurs jeunes filles jeunes garçons qui t'a vivre dans tente dans moment yo profiter yo fait tout ça ou bien pour yo faire yo vinn par ou vinn dans un stade côté que si moun nan li parents peut-être pas maman l'autre côté li on côté dans l'idée pour que yo capable bénéficier de produits par rapport ensemble avec et avantage bien peut-être eh bien yon groupe t'es capable porter pour que t'es capable manger dans l'idée ça vous t'as pas joué des grossesses prématurées vous t'as pas joué non situation côté que y a plusieurs parents qui pas de cas de contrôle petit yo et ça vient faire que eh bien dans le moment comme dit que nous t'as pas joué plusieurs quartiers qui t'as pas donné eh bien groupe gang t'as coup John John. Et c'est le cas de Canaan, journée aujourd'hui, que Jeff Gaulois a dirigé. C'est le cas de Jérusalem, journée aujourd'hui. Et gagner plusieurs espaces dans le Croix des Bouquets et tout. Eh bien, c'est des zones qui pas vraiment habitées. Mais malheureusement, par rapport avec groupe gang et qui t'a fait surface, eh bien, aujourd'hui, nous venons faire face ensemble avec un groupe gang et à travers zone Sao. Qui vient mettre ensemble avec quantité de groupes gang qui te déjà gagné dans le pays, eh bien, Monsieur Sao, la police vient impuissant vis-à-vis de Monsieur Sao et Monsieur Tapral décidé, eh bien, pendant plusieurs fois pour yon bataille, yon ak lot, et c'est dans le mouvement bataille ça, gagné matériel, yon Tapral prend, et gagné plusieurs cas de vol, yon te compte faire tout. Et surtout, les policiers passent dans la zone, ils touillent les policiers, ils prennent des armes dans les policiers pour qu'ils soient capables eh bien, gagner matériel pour que le groupe lui-même soit capable de paraître puissant. Et automatiquement, monsieur Canaran, ils ont commencé à faire surface et ils ont commencé à grandir. Gagner monsieur Village de Dieu, tout, qui ont commencé à faire surface, monsieur Obin a commencé à grandir. L'autre groupe gang qui a gagné, eh bien, groupe gang qui a gagné, l'été en l'air, Gravine. Groupe gang ça, à l'époque, pas qu'on gagne groupe village là, mais qui est plus gagné groupe première avenue, deuxième avenue, Gravine, et c'est plus monsieur ça, et t'es gagné l'autre groupe gang pour taille au gars. Et c'est dans le moment ça, nous avons commencé à joindre, et bien, phénomène à Nel Joseph. Nous avons quitté dans le village, mais malheureusement, la police t'a arrêté. Et pendant que la police t'est arrêtée en elle, et dans le moment, on me dit que gagné Iso, qui était tout petit en dans le village, qui était contre le football, et actionnel, vient faire que eh bien, Iso, il vient un groupe monsieur qui abordait ensemble avec lui, et automatiquement, il abordait ensemble avec lui, il a pris le âme, et c'est une raison qui fait que, je vous dis, où vient gagner Iso, village de Dieu, qui vient comme chef, lui-même ensemble avec Mano. C'est une plus grosse structure de gang qui gagne dans le pays. N'a pas parlé de Monsieur Villageo, n'a pas parlé de Monsieur Izoyo. D'ailleurs, presse internationale a fait connaître que eh bien, Izo, eh bien,
li pa genye, li gen rapport direct ensemble avec pays Jamaïque. Et d'après information, ils ont même gagné des soldats jamaïcains qui rejoignent le groupe là, qui dans l'idée pour que soient capables de former l'autre petit jeune que vous prenez, et bien qui rejoignent le groupe gang ça, qui dans le village de Dieu, qui porte le nom 5 secondes. 5 secondes lancé au gang qui est vraiment puissant. D'ailleurs, information fait quoi que ISO li fait achat, li fait commande de plusieurs matériels là, dans l'idée pour que li capable boumer ensemble avec force multinationale qui est dans le pays. Et ISO fait commande plusieurs yachts, et yachts ça a sorti directement en Jamaïque. Et si toutefois la police a mené une opération dans le village, pour être capable d'utiliser la mer comme un moyen pour que soit capable de laguer pied pour montrer nos gens que groupe gang ça mais les puissants comme dit nous que pendant groupe gang là lui-même il commence à prendre pied gain Jimmy Cherizier ancien policier qui était participé dans une opération qui t'a fait dans Grand Ravine Maranatha et pendant que monsieur t'a pas fait opération ça dans moment opération et mais yo gagné yon frère Damio qui était victime. Yo te rele yo pou yo te mette fin ansanm avèk operasyon. Nan mouman yo te rele yo pou yo mette fin ansanm avèk operasyon, e tout monsye yo te vreman trist, e pandan yo nan machin nan, gen yon nan polisye yo, ki te fè pati de, e patrou sa, li zi monsye nou pa sorti kon sa kon sa. E sou atande yon, barbecue te pase lòd ansanm avèk tout polisye yo, pou yo eten tout radio komunikasyon, e monsye yo te fè demi-tour et dans demi-tour que vous avez fait, eh bien, comme dit nous que, eh bien, monsieur, vous avez tourné, vous avez dit que c'est la population hein, qui t'a fait aux victimes, parce que selon eux-mêmes, vous avez plusieurs membres de la population qui étaient sous le caille, selon eux-mêmes, vous avez plusieurs membres de la population hein, qui t'a fait coup de doigt sur eux, et vous avez commencé, eh bien, tirer même chien qui gagnait devant espace Maranatha, ce n'est pas deux mouns. Monsieur, ou même, yon pas tiré et yon te décidé après action ça, yon te descend, eh bien, paisiblement, c'est après attaque ça, le fameux Pierre Espérance, il t'a décidé pour te écrire un rapport et il te mettait non Jimmy Cherizier dans le rapport ça. Et moi, j'ai toujours dit, yon moun ta pour Jimmy Cherizier, c'est pas moun que nous t'es supposé perdu dans la police. Il y a plusieurs façons. Problème Jimmy Cherizier était capable de résoudre, mais malheureusement, problème politique fait que journée aujourd'hui, eh bien, monsieur politique a transformé Jimmy Cherizier en véritable monstre. Et toujours dit, Jimmy Cherizier, c'est un véritable stratège que monsieur Salim même lié. Et automatiquement, non Jimmy Cherizier sorti dans le rapport là, et automatiquement, Jimmy Cherizier, une bagaille que monsieur Antapral fait, il t'apprend essayer eh bien fédérer groupe gang à travers G9 en famille et alliés. G9 en famille et alliés, c'est regrouper 9 gangs et c'est gagner plusieurs alliés et il apprend une alliée G9 eh bien c'était un groupe gang chez méchant. Li pas un membre dans G9 mais c'était un allié en dans G9. Et par rapport ensemble avec création G9, eh bien, l'autre camp en face là, malgré, en pile, monde toujours dit que G9 tout travail au profit de pouvoir à l'époque, pouvoir Jovenel Moïse, eh bien, l'autre groupe en face là, qui est le groupe opposition, il a fait GPEP qui était gagné dans la tête, li, eh bien, Ti Gabriel. Ti Gabriel, il était fait partie de GPEP et il a gagné Monsieur 400 Marozo. À l'époque, tout le même, eh bien, il était fait partie de, eh bien, GP Plan, n'a pas appelé G9, tu as gagné Iska, tu as gagné Iska, tu as gagné Jimmy Cherizier Barbecue, tu as gagné T Junior qui soit La Saline, tout le monde ça, il était en dedans G9. Barbecue comme stratège, il réunit ensemble avec monsieur, il dit, bon, nous faisons bagaille, côté que nous capables de jouer plus pouvoir, nous capables de jouer plus puissance. Il réunit ensemble avec monsieur, il dit monsieur, il y a un bail qui gagne. Depuis qu'il y a élection, c'est quartier populaire, c'est ghetto qui toujours élu moun. Nous sommes capables de regrouper nous, même gens, nous toujours bail président, cette fois-ci nous sommes capables de bail président pour tête pas nous.
Moun nou vle pou jere pouvoir, c'est lui-même qui doit là, même structure nous avons utilisé pour nous faciliter et mes politiciens ici pour nous avoir au pouvoir, et bien nous sommes capables de pouvoir tout et on met tête nous ensemble et yo te met tête nous ensemble, c'est dans l'idée ça, yo t'apprend créer, vivre ensemble, journée aujourd'hui, et bien cap terroriser population. Comme dit en dedans, vivre ensemble, Jimmy Chérizet fait toute salle qu'on est pour le convaincre. Si Gabriel nan Cité Soleil pour te rejoindre structure ça qui les vivre ensemble, mais malheureusement si Gabriel li pas rentré dans l'idée, si Gabriel toujours dit que li senti li toujours une force l'aile pour contre d'ailleurs monsieur Sao yo ka mette ensemble yo mangel, et c'est une raison qui fait que journée jodi si Gabriel li pas rentré ni dans vivre ensemble li pas jam nan G9 d'ailleurs li te gen groupe parle qui relait, eh bien, GPEP, même que gagne 400 Marozo, gagne et l'autre groupe gang qui était l'homme, non, eh bien, qui rejoignent, eh bien, vivent ensemble, ils ont quitté, eh bien, GPEP, là, rejoignent, vivent ensemble, et vivent ensemble, non, c'est les mêmes qui ont théorisé population. On dit que vivent ensemble, c'est tellement à monter en puissance, monsieur, t'es arrivé au côté, que, ils ont fait, policiers, ils ont tremblé. Chaque jour, ou levé, ou tande monsieur Sayo, yo prend yon sous-commissariat en otage. Par rapport avec Jean de Action ça, te vin fait que policier te commencé craser rak quitter commissariat yo nan l'idée pour que yo pas victime par rapport ensemble avec monsieur vivre ensemble. Et comme dit nous que amis internautes, eh bien vivre ensemble nan monsieur vivre ensemble yo tellement met tête yo ensemble, les a planifié yon opération. Et il toujours paraît difficile des fois dans cette planification opération pour échouer dans l'opération. Et d'ailleurs, c'est tête ensemble, monsieur Sayo, qui t'a abouti ensemble avec, eh bien, pour t'écraser prison, eh bien, pénitentiaire. Dans jeudi et dans demain, monsieur t'a écraser prison civile, quoi des bouquets. Hein. Donc on est genre de prison Sayo, c'est des prisons qui te gagnent en pile gros chef gang. Et en pile n'est et par rapport ensemble avec prison qui crasait, il y a plusieurs chefs de gang qui t'ont profité pour que vous soyez capable de quitter l'espace là pour rejoindre groupe que vous avez déjà fonctionné là-dedans. C'est le cas de Juma. Nous connaissons qui c'est chef de gang Simon Pelé qui était automatiquement prison crasé. Il prend moto, il descend dans Simon Pelé et automatiquement il descend dans Simon Pelé. Tu as gagné en pile fête qui t'a fait dans Simon Pelé. Par rapport avec Rivé Djouma. Et te gagné tout un bout de Jean-Jean, qui c'est un criminel notoire, et bien qui était en dedans pénitentiaire, bout de Jean-Jean, il était allé la saline, et pour me dire que Monsieur Sayo, c'est des puissants chefs de gang. Et automatiquement, Monsieur Genefio, j'aime ça dit tout à l'heure, c'est un groupe gang, les au destin, on va planifier pour que soit capable d'aboutir. D'ailleurs, un objectif. Monsieur Sao te genye, n'a parlé de ti monsieur G9 en famille et allié, eh bien, monsieur vivant Samyo, eh bien, yon nan objectif que te genye, c'est pour yon te capable prendre palais national d'assaut. Mais heureusement, par rapport avec réplique que, eh bien, monsieur USGPN, plusieurs unités dans la police, là, surtout qui basé dans palais national, l'en prend le cas de Katine, l'en prend le cas de USGPN. Eh bien, monsieur, ça ressemble quand t'es monsieur là, mais qui en face par l'air, par rapport avec résistance que monsieur a joint, il n'est pas capable d'aboutir ensemble avec objectif qui c'est, eh bien, rivé prend palais national d'assaut. Jodi, nous sommes capables de constater que il y a un silence au niveau de vivre ensemble. Une raison qui fait que il y a un silence, c'est parce que jodi là, monsieur vivre ensemble, il y a un seul objectif. Qui c'est dialogue. Automatiquement, ils arrivent à dialoguer ensemble avec le pouvoir en place là, parce que dans le moment dialogue, je fais des propositions ou même je fais des propositions. Et Premier ministre Gary Conille, il a dit que il y a possibilité pour négocier ensemble avec bandits. Mais bandits, c'est déposer les armes, c'est une erreur que le Premier ministre a fait. Elle parlait de déposer les armes. Automatiquement, on dit, déposer les armes,
déposer les âmes, parler de remettre les âmes. Moun nan ka déposer les âmes et puis négocier ensemble avec vous normalement. Automatiquement, dans la négociation, nous ne pas tomber d'aplomb, il reprend les âmes encore. Deuxième bagaille que le Premier ministre Gary Conille dit, c'est reconnaître l'autorité de l'État. Et c'est une raison qui fait que chaque sortie Jimmy Cherizier, barbecue, comme stratège, où elle toujours parler de eh bien, l'État, la police, c'est quoi qui vraiment officiel qui gagne. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à goûter contre l'État. L'Ivre montre que le ministre, à travers deux sacs que l'il dit, il te faut sortir pour dire que il a décidé pour que Zam yo capable de bébé à partir de une note que il te lit. Eh bien, il a décidé pour que tout Zam capable de bébé et dans le quartier populaire, il n'y a pas de Zam qui a tiré. Deuxième sorte, s'il vient faire, il a reconnaître l'autorité de l'État. Et d'ailleurs, récemment, Jimmy Cherizier dit, il n'y a pas de problème pour la police de mener opération eh bien, dans la base, dans le foyer de gang. Mais pour autant, si toutefois la police a mené opération dans le foyer de gang, la police n'a pas utilisé eh bien, des civils qui pour mettre au dans le chat pour une bataille ensemble avec eux. Et à travers sorti ça, Jimmy Cherizier montrait que bien, yo reconnaît l'autorité de l'État. Yo pas dit la police pour pas venir mener opération, mais gen jan la police doit faire ça. Et songe me dit nous que Jimmy Cherizier barbecue c'est un véritable stratège que monsieur lui-même lié. Et d'ailleurs, c'est une cerveau équipe vivant ensemble. Et automatiquement, où est monsieur ça de temps en temps dans prise de parole li, où est c'est un monde cap réfléchi, c'est un monde qui a un objectif et il pas prend zam, il pas qui bezam comme ça, mais li ki bezam nan avec objectif. Et automatiquement gouvernement ou bien la police ta décidé par négocier ensemble avec yo et li dou ça la prend zam. Li dou la prend zam parce que li pas quitter que la police vienne faire paix ensemble avec yo dans quartier populaire là. D'ailleurs, ces hommes qui n'ont pas la police est mettre du quartier populaire ensemble. Mais tout ça, ça l'a campé pour la bataille ensemble avec la police. Stratège que lié, où elle prend un groupe jeune garçon à gros machin, lui mettait au campé pour voir un message par la communauté internationale. D'ailleurs, le message est arrivé vers la communauté internationale, puisque dans la dernière réunion, Nations Unies a gagné Washington. Nan, réunion ça, il y a un représentant eh bien pays la Russie d'ailleurs qui t'a présidé réunion ça, il dit par rapport à la situation qui est là en Haïti, il fait yo vraiment inquiet. Je les jodi, il y a un monde qui responsable situation qui est là en Haïti, il parle autre que les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'est États-Unis zami sorti surtout dans ville Floride là, yo passé par la mer ou bien yo passe par avion pour que yo capable de rentrer en Haïti. Et question van zam, sans calcul ça, vin fait que malgré que Haïti gen embargo zam sou li, zam yo rentre pa pile et pa paquet. Et ces mêmes zam sa yo, monsieur vivant zam yo utilise pour que yo capable de terroriser la population. Et c'est après dernier sorti ça, côté que eh bien représentant la Russie fin fait dans réunion qui te gagné dans Nations Unies et c'est une raison qui fait que dans demain gagné représentant pays les États-Unis en Haïti n'a parlé de monsieur Atkins, monsieur Saline font sortie pour Bruce Atkins, monsieur Saline font sortie côté que il dit pays les États-Unis décider pour capable eh bien encourager l'armée hein, pour capable bailler support ensemble avec l'armée hein. Et li quitter ambassade là, on a parlé de ambassadeur américain en Haïti hein, li quitter ambassade là l'alchita dans ministère défense qui sur boulevard Altoumane là bisatner l'alchita ensemble avec ministre défense là pour que li capable faire connait que et bien, pays, les États-Unis, décidé pour bailler un coup de main ensemble avec l'armée par rapport à la situation qui est là dans le pays, une situation qui vraiment paraît difficile, qui paraît compliquée. Je voulais juste dire, nous sommes capables de voir que M. Vivant Samyo,
c'est une structure qui gagne, côté que monsieur yo fait en pile démonstration et gagne un silence au niveau de vivre ensemble. Silence ça, c'est bon silence comme ça que lié. Silence ça, c'est un silence côté que pour monsieur yo, capable chita ensemble pour planifier prochain plan, yo a gagné dans bataille que a mené. Parce que monsieur yo a plusieurs plans là. Chaque groupe commençait à exécuter différents plans que vous gagnez. Je ne veux dire, en plein temps, pas de facilité vraie pour que vous arriviez à des bouquets. Parce que l'envoi sans jour. Et pour ça, et bien, monsieur, vous avez un ensemble de dispositions que vous prenez là pour empêcher la police de faire pénétration, pour empêcher la police de mener opération au niveau de Croix des Bouquets. D'ailleurs, monsieur, vous déjà à placer des conteneurs en place, surtout devant lycéens. Monsieur fait plusieurs trous pour capable faciliter la machine rentrer dans le trou. Et monsieur même utilisé bonbonne, eh bien, propane. Côté que yo plein propane, nan, yo mettez en bataille. Bon côté, yo fait tout, automatiquement la machine tombe dans le trou. Yo fait ni deux ni trois bagailles, yo tire sous bonbon ça et bonbon nan automatiquement yo tire sous lui. Eh bien, là ça c'est du feu qui va obliger prendre bon côté machine nan. C'est une stratégie que monsieur, eh bien, et quoi des bouquets, surtout groupe cap dirigé par l'amour sans jouant gagné pour capable contrecarrer, eh bien, force police kenyan, force multinationale nan, et qui vient porter coup de main ensemble avec la police, même que je ne veux dire, monsieur, pour mener pièce, opération normale ensemble avec la police. Si c'est vrai, vous accompagnez la police dans la patrouille, depuis là, vous venez, mais jusqu'à présent, pourquoi vous avez une opération qui fait deux concerts entre la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la police kenyane, qui c'est KPS. Service police Kenya. Eh bien, automatiquement, la police te ramené et pas opération, mais on dit la police te fait de préférence yon intervention dans zone, eh bien, et Bel Air. Intervention qui te porte plus pour la police, puisque d'après information qui vient joindre nous, gagne plusieurs nègres qui yon même tombé dans le cadre opération ça, même que dans le bilan que monsieur. Lui jeune, actuel porte-parole, la police, il t'a partagé ensemble avec le grand public là, il n'a pas précisé, eh bien, information ça, dans le bilan. Jodi, pour dire que monsieur vivant Samyo, yo gagné plusieurs stratégies. Si toutefois, pas ta gagné négociation ensemble avec eux, parce que jodi là, gagné policiers qui décident pour la bataille, et par rapport avec présence, force et police kenyane qui là, eh bien, ils ont décidé pour que ils soient capables de rentrer dans le foyer de gang. D'ailleurs, il y a Normil Rameau qui est actuel de GPNH. Normil Rameau, il fait connaître que, eh bien, ils ont maté comme ça, population haïtienne n'a qu'à lever, tandis que ils ont occupé tel espace, ils ont mené opération dans tel espace. Pour raison stratégique, Normil Rameau, il n'a pas défini plan la police. Et ça, c'est un bagage qui est normal. Ou pas capable d'attaquer ennemi pour dire ennemi, mais qui le, ou attaquer. Et connaissant M. Sao, c'est des messieurs, ils ont ghetto très bien. Dans le ghetto, il y a plusieurs personnes qui quittaient Kayo. Monsieur utilisait Kayo comme des cachettes. Monsieur utilisait Kayo comme des positions stratégiques. Et automatiquement, yon rentre dans Kailan, yon persévère pour yon tomber dans l'autre Kail. Pendant que la police a passé, yon dans Kailan, yon capable de quitter l'espace, yon aller dans l'autre espace sans que la police pas au courant. Parce que c'est yon moyen que monsieur même utilise, c'est une stratégie que yon utilise le plus souvent. À chaque fois que la police va faire opération dans le ghetto, à chaque fois que la police pral fait pénétration dans le ghetto, eh bien, pour yon utiliser kay moun yo pa la donne, kay qui abandonne yo, pour yon rentrer, des fois, yon fait titre, yon mette bouche zam nan seulement, les policiers apparaissent et seulement, policiers apprennent que yon prend balle dans la tête.
Situation ça, c'est une situation qui est vraiment compliquée. Monsieur yo planifié mode opératoire. Pour le moment, il y a un mode, il y a plein de négociations. Et c'est une des raisons qui fait que depuis Jimmy Cherizier a parlé, eh bien, il parlait de négociations. Pour les gens, si tu as un monde dans la politique là, qui t'a voulu aimer camper pour t'a dit que moun pas négocier à gang, Jimmy Cherizier, Jeff Gaulois, le plus souvent, nous, ouais, monsieur Sao, pendant le dernier temps, Sao, ils ont fait plusieurs sorties pour yo dire que tout le monde qui parle, eh bien, ont négocié ensemble avec le gouvernement, c'est des mouns qui ont utilisé mal, c'est des mouns. Dans le moment où tu as utilisé, tu as connu que tu as plusieurs bagages que tu as fait pour toi. Mais par rapport avec ça, tu as parlé, tu as dévoilé, c'est une raison qui fait que, aujourd'hui, tu as traité de terroristes, tu as traité de gangs, tu as dit gang pas qu'à chita ensemble avec l'État, l'État pas de chita ensemble avec gang. D'ailleurs, dernière sortie, Jimmy Cherizier était fait là, il était fait sortie pour montrer que, eh bien, aujourd'hui, tu as monté Don Kato, il était contre utiliser bandits en pile. D'ailleurs, Jodian là, pendant que lycée chef au niveau de vivre ensemble, il y a en pile information de Monsieur Sao, parce que Monsieur Sao était contre utiliser Negna Ghetto en pile à chaque fois que vous avez besoin pour action pour utiliser Negna Ghetto, ou bien tout les vous besoin d'amener campagne pour être capable d'amener campagne dans Ghetto. Yo. Jimmy Cherizier barbecue, il pas mettre de l'eau dans la bouche pour être capable critiquer, eh bien, Antonio, cher ami, monsieur ça nous connaît qui gagne nom Don Kato par rapport avec Jean Kelité. D'ailleurs, d'après Jimmy Cherizier, barbecue, eh bien, Don Kato, gagne une époque, littéraire les cristal, t'es besoin de monter en ravine pendant que, eh bien, t'es gagné un chef de gang ravine, eh bien, l'été fait couloir là, ensemble avec. Monsieur ça n'a parlé de Chris là, eh bien, qui tirait les têtes calées pour lui à l'époque, tête calée pas de le monter. Et dans le moment Chris tirait les têtes calées, qui était chef, eh bien, Gravina, dans le moment Chris tirait les chef Gravina tête calée, et tête calée, te balle autorisation pour te monter Gravine. D'après Jimmy Cherizier, te gon les Don Kato, te kon utilise yo, mais jodi là, Don Kato connaît que l'IPAPKA utilisé encore, c'est une raison qui fait que Don Kato a dit que pour que gouvernement, par contre, Chita, n'en négocie ensemble avec gang. Et Jeff Gaulois, qui était allé dans le même lancé, pour dire que jodi là, si la plaine, capable Jean-Lien là, mais monsieur SDPO, surtout André Michel responsable. Les que vous avez bataille contre Jovenel Moïse, ce n'est pas deux armes qui n'ont pas de bail dans plein nan, et surtout dans la zone Kafou-Marassa. Jodi an la Sige Kanaan, eh bien, André Michel responsable, parce que André Michel, ce n'est pas deux barricades. André Michel, te kon encourager yo pour mettre dans Kanaan, dans l'idée pour capable combattre Jovenel Moïse. Et nous, monsieur, yo, dernier temps, depuis on compte. Depuis on moun compte négociation, depuis on moun compte dialogue là, c'est comme si automatiquement ou compte monsieur Sao et monsieur Sao même y a attaqué tout. Jodi an la, c'est Jean de bataille ça monsieur Vivant Samyo a utilisé. Une stratégie que monsieur Vivant Samyo a utilisé journée jodi an, monsieur fait un pile recrutement dans la rue. Par rapport avec monsieur qui était dans la rue, si monsieur qui te kon charge machine dans la rue, si monsieur, eh bien, yo te kon utilise des fois pour charger machine, monsieur Sayo, je dis, yo pas dans la rue encore. Si c'est vrai, il y a des zones, yo tue en pile, si nous prenons le cas de Kafou Fleurio, depuis la police, ouais, si monsieur Sayo, la police s'est tué depuis le gonlet, mais pour autant, il y a un bon parti dans monsieur Sayo. Qui dans la rue, monsieur nous les ti la rue, mais qui rejoignent groupe ça, qui vivent ensemble comme des soldats dans l'idée pour que vous capable aider au groupe contre la police si toutefois il y a des opérations, et mais cap mener dans foyer de gang dans caillou. Et recrutement ça, monsieur, yo montrer comment pour yo kembe zam, yo montrer comment pour yo main zam.
Et n'a parlé de yon couche, d'ailleurs, qui était déjà dans la rue, yon pas de gain de difficulté. D'ailleurs, si t'as pas compte faire mal, les yon gen couteau pour yon fouille, nan pou yon lot pareil, nan pou yon tilari pareil. C'est des moun qui étaient, eh bien, sans dignité. C'est des moun, yon pas de gain capacité de réflexion, les mal arrivés pour yon faire mal à yon fèl. Je ne j'en dis, eh bien, que monsieur vive ensemble, yon recruté. Je ne j'en dis, qui grossit les rangs au niveau de vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, ouais, ça préparé pour lui, là, il n'y a pas pitié. Et le fait que yon pas pitié, c'est une raison qui fait que, je ne j'en dis, il y a un ensemble de mesures, il y a un ensemble de eh bien, mesures à mettre en place pour que vous soyez capable de contrecarrer ça qui prend le gain là. Et les États-Unis décident pour le mettre en fait avec question règne bandit qui a dirigé dans le pays là. Et c'est une raison qui fait que, jodi là, les États-Unis décident pour que les capables de Haïti des matériels qui répondent ensemble avec bataille là. Et dernière date là, eh bien, les États-Unis souhaitent faire un don là de 10 Max Pro. Blindé Max Pro, c'est dernier blindé ça que eh bien, les États-Unis te voyaient by eh bien, pays Ukraine. Dans le cas de bataille que y a fait contre eh bien, la Russie, eh bien, c'est ma modèle blindé ça que les États-Unis te lui-même voyaient ensemble avec Ukraine. C'est un blindé qui fait spécifiquement pour mine. C'est un blindé qui fait spécifiquement pour du feu. Le fait que les États-Unis, ouais, que à chaque fois la police va mener opération dans le foyer gang, monsieur rien gagne un mode opératoire, il lance un cocktail Molotov qui pour, eh bien, côté que du feu prend un blindé, et automatiquement du feu a commencé à prendre, police n'a pas qu'à arrêter en dedans parce que l'univers est chaud, police est obligé de mettre pied à terre et laisse ça. Bandi yo même, yo profite pour yo touye policier yo. C'est une raison qui fait que, jodi an la, les États-Unis d'accord pour le bail Haïti des matériels qui répondent, qui capable répondre par rapport avec attaque monsieur capable faire si toute frotte a décidé vouer du feu. Vivre ensemble, c'est une groupe de gang, une structure gang qui plus puissant que pays qu'on est. Et à travers, côté groupe gang sorti de Makout, rivé journée jodi, passé pour chimé la valation, l'on prend frappe journée jodi pour arriver dans vivre ensemble, structure ça, qui regroupe plusieurs groupes de gang, eh bien, c'est une structure qui est vraiment puissante. Et monsieur n'a pas décidé pour déposer les armes pour ça, plus vrai. Pour qu'ils soient capables de mourir avec Zamna au lieu que yo décidé pour abandonner, pour bailler Zamna ou bien pour déposer les armes. Et une stratégie, monsieur Ogela, eh bien, stratégie en li par l'autre, que, eh bien, pour que yo capable de demander des négociations, pour montrer que négociation possible. Et dans le discours, monsieur, à chaque fois que vous faites sortir, vous montrez que vous êtes pour négociation, vous voulez négociation, vous parez pour négocier. Kounya question, est-ce que le gouvernement pral rentrer dans logique pour capable négocier ensemble avec vous? L'engagement des quantités de crimes que monsieur ça a fait, monsieur dame ça a fait, quantité de business moun yo boule, quantité de business moun yo pillé, et quantité de moun monsieur exécuté, est-ce que jodi moun ça yo pas besoin de justice? Est-ce que le gouvernement pral rentrer pour négocier ensemble avec un groupe de terroristes? Fait population mal, comme ça, et puis pour blanchir les gens. Ou bien est-ce que la police pral mener des opérations musclées dans l'idée pour que vous capable traquer monsieur Sao, sac pour traquer, traquer, sac pour mourir, mourir, parce que dans quatre opérations, bien ça, et automatiquement dans quatre opérations, et bien, a bien moun cap tombé dans deux camps. Et ça arrive neutraliser pour neutraliser pour yon capable juger yon normalement, pour yon di qui côté yon jouen zamnan, pour qui est sur travail, et qui est-ce qui mette yon nan mouvement que yon yon. En d'accord que, jodi an la, c'est vrai, monsieur Kage l'argent. Yon capable toujours acheter des matériels, yon capable toujours acheter des munitions,
pour être capable de bataille, je ne veux dire, par rapport avec quantité l'argent que vous faites dans le kidnapping, par rapport avec quantité l'argent que vous faites, eh bien, n'importe de péage, par rapport avec quantité l'argent que vous faites dans la zone de la caille. Parce que je dis là, dans le quartier, et monsieur ça a dirigé, tout business qui est dans la zone, c'est sous responsabilité que, responsabilité pas au que lié. Et mettre business ça, yo gagne yo montant pour yo bail chaque mois. Et montant ça yo, c'est pas si montant que yo. C'est plusieurs façons monsieur utiliser pour faire l'argent. Et dans pleinement monsieur plein yo kon gen yon stratégie qu'on utilise, journée jodi on va utiliser encore. Chaque vendredi yo veye gros camion qui passe sur route là, yo faut camper en croix. Yo fait bar, yo utiliser machine pour faire barricade. Yo plat caoutchouc et pour retirer ou gon montant pour bail. C'est des moyens que monsieur utilise pour faire l'argent. Et poste de péage là c'est un moyen que monsieur rentre l'argent plus facile. Contrairement avec l'autre activité, peut-être kidnapping. Kidnapping là c'est un moyen rentrer l'argent, yo rentre l'argent tout. Mais poste de péage là ou pas besoin qu'on ait. Même quand t'es passé au bail déjà, l'op tourne faut bail et l'op tourne encore faut bail. La police est capable, l'État est capable d'utiliser face à ça. Il est capable de rentrer comme dans la caisse l'État qui pral aider la population. Mais malheureusement, c'est M. Axamio qui utilisait mode de stratégie ça. Jodian là, li clair, monsieur, yo gon seul objectif. Et objectif là par l'autre que négocier. Est-ce que le gouvernement pral négocier avec yo? Est-ce que le gouvernement pral d'accord pour le chita avec yo? Sac pour blanchir, yo blanchir yo. Sac pour yo arrêter yo. C'est le gouvernement qui connaît. Mais yo même, yo prêt pour yo négocier et yo vle négocier. Dans sorti du Michel Rizier barbecue. Li fait qu'on est que gen plusieurs yo admettre gen plusieurs erreurs que yo fait. C'est des erreurs qui regrettables. C'est des erreurs si toutefois il était capable tourner dans passé, il était capable pas commettre yo. Il est allé plus loin pour dire que eh bien, il pas de problème pour demander population pardon. Tellement pour montrer donc que Jean monsieur même yo veulent négocier, yo prêt pour négocier et yo prêt à tout. Pour négocier. Parce que ballon li nan pied gouvernement. Ballon li nan pied Gary Conny, premier ministre et conseiller présidentiel yo. Pour yo konnen si oui ou non est-ce que yo a d'accord pour négocier avec groupe de gang ça et bien groupe armé ça, monsieur ça qui fait population haïtienne nan, qui fait pays en pile mal. En pile mal. Il était important pour nous capable de faire parler ça ensemble avec nous. Une chose qui est important, n'a pas rappelé ou bien ou doit abonner ensemble avec Chanel et sous peu qu'on fait ça, nous invitons à faire ça abonner ensemble avec Chanel là et si toutefois ou tu fait ça, n'a demandé pour que ou capable partager et bien vidéo pour que plus monde capable gain possibilité pour yo capable ouais vidéo et mande yo pour que yo capable et bien et abonner ensemble avec plateforme nan l'idée pour que yo capable rester connecté.